On dit c'est dur de croire, paradis purgatoire, mais le Seigneur prépare quelques âmes pour croire. Lorsqu'il les rassemble et puis qu'il les enseigne, séduites elles écoutent ces mots en goutte à goutte. Et il injecte en elles, pour les rendre plus belles, la vraie force de vie leur envoyant Marie. Puis il les enveloppe d'un corps qui se développe pour une vie sur terre tout emplie de misère. Dans le cœur des apôtres, c'est le même sang qui coule. Dans les âmes des apôtres, c'est l'Esprit Saint qui coule. Sans craindre la raison, protégés qu'elles sont par leur foi si intense et leur amour si dense, c'est en toute innocence qu'elles rient et qu'elles dansent, chantant leur confidence en pleine reconnaissance. Dans le cœur des apôtres, c'est le même sang qui coule. Dans les âmes des apôtres, c'est l'Esprit Saint qui coule. Elles ressentent sa présence en totale confiance, et Dieu décide pour elles une vie éternelle. On dit c'est dur de croire, paradis purgatoire, mais le Seigneur prépare quelques âmes pour croire. Dans le cœur des apôtres, c'est le même sang qui coule. Dans les âmes des apôtres, c'est l'Esprit Saint qui coule.